sont des femmes qui sont dans justement la pêche. La plupart du temps, elles travaillent, mais elles ne savent pas comment gérer, comment économiser, comment, parce que, comme vous savez, en Afrique, ce sont les femmes les piliers de la famille. Je pense qu'avec cette formation, c'est très important, elles pourront savoir exactement comment gérer leurs biens, comment gérer leurs finances, comment pour pouvoir économiser et franchement et savoir comment dépenser. Le principal problème que nous avons, c'est que nous n'avons pas de financement. Ici à Bissau, nous n'avons pas des banques de désenvolvement, nous avons des banques commerciales. Alors une banque commerciale, quand vous demandez un prêt, il y a tellement de paperasse, il y a tellement de garanties qu'ils vous demandent que la femme qui est une simple vendeuse de poissons, comment elle va-t-elle faire pour pouvoir donner toutes ces garanties? Ils disent non, la femme ne peut pas avoir parce qu'elle n'a pas les moyens, la femme ne peut pas avoir un prêt parce qu'elle n'a pas de garantie. Non, il faudrait le voir, même si ce n'est pas des grands prêts, mais qu'on ait au moins une banque qui peut donner ou une garantie qu'on peut donner aux femmes qu'elles puissent travailler. J'espère que vraiment un jour, nous allons pouvoir donner à nos femmes l'opportunité d'avoir des activités, d'avoir des fonds qu'elles puissent travailler à volonté sans problème.